Aujourd'hui, des siècles après, les doigts d'homme continuent de pétrir, de modeler dans la glaise la forme. Cette beauté qui jadis tenta les ancêtres, les Phéniciens. Sur les lieux escarpés, l'homme s'est familiarisé avec la chèvre. Tous les jours, j'amasse, nous dit un vieil artisan, 5 kilos de poils de chèvre. Ma femme les trie, je les bats, les dépouille, avant de les filer. La femme, partageant la besogne, s'est vue aussi prise au rythme patient de créer, dépeignant, filant à la quenouille ou trimant. Mieux équipée, dit la roue inventée, elle a pris sa place dans le rouage de vie.